jouer. Yes! Miguel, je ne comprends pas pourquoi tu aimes autant ce jeu. C'est du hockey sur glace. C'est un des meilleurs jeux que l'on puisse faire au monde. Mais Miguel, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous aimez autant ce jeu? Tu vois, Kit, tu es comme tous ces gens qui prennent tout au pied de la lettre. Vous ne parliez pas de moi, Miguel. Téléphone, bonjour. Non, non, ne vous en faites pas, je ne parlais pas de vous. Pas la peine de chercher des excuses, Miguel, ça va, j'ai compris. Bien, vous êtes sur le chemin de la Fondation, je me trompe. Non, je suis bien sur le chemin de la Fondation. Parce que il y a un problème, il y a comme des cambrioleurs de banque, ou des gens de terroristes, je ne sais pas si on peut appeler ça des terroristes, enfin, qui mettent des explosifs. J'en ai trouvé sur un parking. Merci, bonne route. Je suis désolé. Vous êtes désolé, Devon. Vous êtes en train de me dire que vous voulez me virer alors que je fais partie de la famille. Essayez de me comprendre. Je ne veux plus vous écouter. Je m'en vais. Michael, je ne vous ai pas expliqué la situation. Je ne veux plus vous écouter. Je vous rappelle que vous m'avez viré. Michael, je vous en prie. Attendez un peu. Je vous en supplie. Essayez de me comprendre. Oh oui, je vous ai très bien compris. C'est toi, Michael? Tu n'as pas l'air en forme, que t'arrive-t-il? Non, ça ne va pas, j'ai une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle? Comment ça? Eh bien, tu vois, Kit, je viens de me faire virer de la Fondation. Pardon? Oui, je sais, Kit. J'ai été très surpris. Et toi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Bah, je vais devoir me trouver un autre boulot. Mais tu peux pas me faire ça? Ouais, je sais, Kit, mais... il va falloir que j'y aille. Kit, prends soin de toi. Thank you.
Il est temps pour moi de prendre des initiatives. Michael, qu'est-ce que tu veux, Kit? Je t'ai déjà dit que je m'étais fait virer de la fondation. Je sais, Michael, et j'avais bien compris. Écoute, Kit, on a été de très bons amis, mais je dois y aller maintenant. Mais Michael! Laisse-moi tranquille, je te dis! Va-t'en! Oust! Eh ben dis donc. Michael! Écoute, Kit, je vais te le répéter pour la dernière fois. Rentre à la fondation. Désolé, mais c'est hors de question. Mon existence est inutile sans toi. Ok, alors. Tu n'as pas l'air décidé à me lâcher. Bon, est-ce que j'ai le droit de prendre les commandes? Affirmatif. Tu me refais confiance maintenant? Je t'ai toujours fait confiance, partenaire. Michael, je crois que la Fondation a signalé ma disparition à la police. Alors dans ce cas, on fonce, Kit. Il faut semer la police. Je fais ce que je peux, Michael. Comment? Vous voulez pirater Kit pour ramener Michael? Oui, c'est le seul moyen. Très bien. Vous voulez que Kit vienne jusqu'à nous? Oui, allez-y, Bonnie. Allez. Kita! Désolé, Michael, mais j'ai reçu de nouveaux ordres. Oh.
Heureux de vous revoir, nous devons discuter, Michael. Venez. Vous devriez le réengager, il nous en veut. Vous avez raison, Bonnie. Je vais aller le voir et parler avec lui. Kit, on s'en va, dépêche-toi. Très bien. Et où va-t-on ? Loin, très loin. Pourquoi est-ce que tu viens de détruire la porte du sommet ? J'ai l'impression que tu en veux à Devon et Bonnie. Pourquoi ? Ton attitude a changé, Michael. Que t'arrive-t-il ? Je veux me venger du type qui a mis des explosifs sur ce parking. À cause de lui, j'ai été viré. Tu aurais dû me prévenir. Tu veux que je t'aide à trouver des informations ? Est-ce que des explosifs ont disparu ? Oui, en effet. Il y a eu environ une cinquantaine de caisses de charges explosives qui ont été volées dans une base militaire. Une base militaire ? À 8 km d'ici. Je t'envoie le plan. Montre-moi ça. Michael, j'ai trouvé un véhicule suspect qui est en train de voler des caisses de charges explosives et qui sort de la base. Tu peux voir qui est-ce qui conduit ? Je veux voir sa tête. C'est Devon, il nous cache quelque chose. Kit, mais c'est un barrage, qu'est-ce qu'on fait là ? D'après moi, le véhicule suspect se serait arrêté ici. Kit, dis-moi, est-ce qu'il y a les gens qui étaient dans le véhicule ? En effet, Devon est ligoté d'ailleurs. Il y a deux autres personnes avec lui, à l'intérieur du barrage. À l'intérieur ? Devon est ligoté ? Attention, Michael! Mais qu'est-ce qu'il te prend? T'es fou de tirer des coups de feu là-haut? C'est le type de l'autre jour, avec la voiture noire. Il était là, Franck. Ah, ça a dû lui coûter beaucoup de rester en vie. Et ça n'aura servi à rien du tout, hélas. Oh non! Tout va exploser! J'arrive, Michael! Attrape! Et voilà, allez, monte! Ok, on y va! Adieu, monsieur Devon Miles. C'est à moi de vous remplacer maintenant. Michael, tu es sûr de ce que tu fais ? Évidemment, Kit. Nous devons sauver Devon. Michael, vite! Il y a une bombe sur le mur qui va exploser dans quelques secondes! Ah! Oh! Oh!
Bravo, mon vieux. Maintenant, libère Devon de ses menottes, s'il te plaît. Merci, Michael. Mais il faut que vous alliez les rattraper. Les rattraper ? Oui, c'est à cause de ce groupe de malfaisants que je vous ai viré. Et maintenant, ils veulent sortir du pays avec les explosifs. Dépêchez-vous, Michael. Il faut qu'on les rattrape, alors on met le turbo. On repasse en vitesse normale. Ils sont juste là, Michael. Tu veux que je bloque leur véhicule ? Vas-y, Kit, envoie toute la sauce. Michael, regarde. C'est bon, j'ai vu. Trouve un moyen pour l'empêcher de s'enfuir. Michael, il s'envole. Il faut désactiver son engin. J'y vais. Et moi, je m'occupe de l'autre. Suivez-moi, imposteur. Michael, on peut prendre une photo, c'est tellement drôle. Si tu veux. Et voilà, il est prêt. Magnifique. Oh, vous savez quoi? Je vais la garder en souvenir et l'offrir au vrai Devon Miles. Eh bien, quelle histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Entre le fait que vous m'ayez viré et que vous ayez un frère jumeau... Ah, merci. En parlant de frères jumeaux, Michael, crois-tu qu'un jour j'aurai des frères tout comme moi ordinateurs qui seront... Gentils? Oui, c'est ça. Merci, Bonnie. Penses-tu que j'aurai un jour des frères gentils comme moi? Il faut y croire, Kit. Toujours y croire, même si tu penses que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas très encourageant. Et puis de toute façon, ils sont tous les deux détruits, alors... Kit, qu'est-ce que tu en sais? Que veux-tu dire par là, Michael? Il a peut-être raison. Vous vous souvenez de Carr, Kit? Oui, je sais bien. Il avait simulé sa destruction. Mais nous l'avons détruit peu de temps après. C'est vrai. Tu as raison. Mais bon, à ta santé, Kit. À votre santé, Kit. Merci, Michael. Mais ces derniers jours ont été durs et mes batteries ont besoin d'être rechargées. Ok, mon vieux. À demain. Bonne nuit, Kit. Bonne nuit à vous aussi. Ah oui. Merci d'être venu me chercher. Mais de rien, c'est tout à fait naturel entre amis. Je n'ai fait que ce qu'un ami est censé faire. Je suis sûr que tu aurais fait la même chose pour moi, n'est-ce pas? Bah ouais. À demain. Si on avait changé le programme de Carr ou de Corp, je suis sûr qu'ils auraient été beaucoup plus gentils.